Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis invitée à l'anniversaire de ma copine. Du coup je me suis dit que je pourrais me préparer avec vous pour son anniversaire, enfin me préparer hein. Enfin je vais pas vous emmener avec moi mais on va aller au laser game, je vais trop m'amuser. Et du coup je me suis dit que je pourrais me préparer avec vous. Donc là il est 13h30 si je me trompe pas et on doit y aller là-bas à... on va dire 15h25, on va partir, même 15h20. Bon, là, les amis, ne me jugez pas vraiment, je suis fatiguée. On est dimanche, je suis comme ça, normal. Tous les dimanches, je suis comme ça, je suis en pyjama. Donc, c'est parti, là, je vais choisir ma tenue et je vais partir à la douche. Donc déjà, je pense que je vais partir sur un legging ou un truc comme ça, parce que du coup, on va courir et tout. Donc, je pense que je vais mettre... Notamment, je vais mettre un truc comme ça. Non, c'est moche. Non, j'aime pas trop. Non, en vrai, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre en mode Diana de tous les jours. Diana de tous les jours signifie legging. Ce n'est pas un legging. Je suis déçue. Faut ranger ses vêtements, c'est important. Est-ce que ça c'est un legging? Ce n'est pas un legging. Ça c'est pas. Oui, ça c'est un legging. Ouais, ça c'est un legging, donc je vais mettre ça. Donc et comme pull, je vais mettre. Je pense, je vais pas mettre un truc comme ça. Je vais mettre un truc détente. Je pense que je vais mettre ça. Je pense que comme pull, on va être sur... On va mettre ça. Voilà, je lui ai acheté un petit cadeau, un petit jeu de société. J'espère qu'elle va aimer. J'espère. Moi j'aime bien ce jeu, mais je sais pas si elle va aimer. Ah, et j'ai le... J'ai presque le même aussi en noir. Mais c'est presque la même chose, juste que celui-là est en noir. Et c'est un papillon. Voilà, je dis, je précise. Oui, je pense que je vais mettre ça. En fait, comme je ne vais pas mettre de veste, je pense que je vais mettre ce manteau. Je pense que je vais mettre ça comme manteau. Manteau Zara. Mais de toute façon, le manteau, il n'est pas très important. Ou sinon... c'est le même manteau de, aussi chez Zara, sauf que celui-là il est plus long. Et comme en fait je mets comme je mets ça en fait, je pense que je vais mettre ça parce que le pull il est long, donc je vais mettre un manteau plus long, sinon ça va être moche. Ouais, c'est très petite, je suis de... Je fais 1m30, je suis trop petite. Et voilà, je mets pas de sharp en bas dedans. C'est tout. C'est tout. Bon, là je vais à la douche, je vais arrêter de filmer du coup. Et quand j'ai fini ma douche, du coup je refilmerai et je ferai ma petite skincare. Voilà. Et à la fin, je m'habillerai. A tout de suite! Donc là, les amis, je viens de sortir de la douche. Je me suis habillée. Bon, là, je voulais m'habiller à la fin, mais je me suis habillée maintenant. Là, j'ai juste le pull et mon manteau à mettre et je suis prête. Et là, je me suis mis les cheveux. Je me suis lavé les cheveux, normal. Là, je vais mettre ça pour protéger les cheveux du sèche-cheveux. Je vais me sécher les cheveux et après je pense que ma mère elle va me boucler les cheveux. Voilà les amis, mes cheveux séchés. Go pour le lissage et après bouclage. Du bouclage, je sais pas. Aïe.
allait. Aïe. Les amis, est-ce que vous aussi, quand votre mère, elle vous coiffe, parce que je pense que des fois, elle vous coiffe, je sais pas, elle vous coiffe, hein, des fois, votre mère, est-ce que ça vous fait mal? Parce que moi, ça me fait trop mal. Voilà les amis, ma mère a fini de me lisser les cheveux et du coup je vais dire à ma soeur de me boucler les cheveux parce que j'aime pas comme ma mère me boucle les cheveux, je déteste. Du coup je vais dire à ma soeur Eva de venir me boucler les cheveux. Vraiment ma soeur elle les fait trop bien, j'aime trop. Trop beau, regardez. Là, je vais. Bon, désolé, c'est pas très propre. Mais je vois là. Déjà, je vais mettre ce baume à lèvres. Il est magnifique. J'ai jamais vu un baume à lèvres aussi waouh, aussi pailleté, aussi beau. Il est très beau. Et pour que ça brille vraiment, vraiment, mais vraiment beaucoup, je mets aussi ça. Regardez, ça va tout changer. Je vais faire un côté pour que vous voyez la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, je la vois. Moi, je la vois, la différence. Là, je vais mettre une crème Nivea. Alors, ça, c'était celle de ma mère. Et elle avait fini la crème. Du coup, elle me l'a donnée pour que je mette la crème Nivea dedans. Je vais pas mettre cette crème, hein. Cette crème c'est pour les rides. Moi je suis pas vieille. Ma mère non plus, elle est pas vieille du tout. Et ma mère elle a quelques rides. Non. Moi je t'appelle. Trop. Moi j'étale pas trop la crème Nivea parce qu'après faut que vraiment ça pour que ta peau elle est vraiment fraîche. Je sais pas comment dire. J'ai pas gâché mes boucles. C'est immense. Là et d'ailleurs je vais aussi mettre un peu ça. Et ça, je vais mettre un peu de mascara. Des fois, j'en mets. Mais pour des occasions, pour des fêtes et tout. Mais j'en mets pas trop. Oh non, je vais remettre dans mes cheveux. Voilà. Amis, je suis prête. Attendez, je regarde juste un petit peu mes mains. Ah, c'est parti. Donc là, je suis prête. Je suis totalement prête. Je vais juste mettre mon pull, manteau, chaussettes et ça. Parce que je trouve que c'est mignon. C'est très mignon. Donc c'est parti. J'aurais dû d'abord mon pull, après mettre ça. En fait, je sais pas. J'ai trop peur.
Attendez. J'ai le manteau. Attendez. Chaussette. Si je suis comme ça, sans mon truc, je suis totalement noir. Donc voilà mon petit look pour l'anniversaire de ma copine. Et voilà! Dans les années, je vais aller au Letter Game pour l'anniversaire de ma copine. Bref, bye et dis-la pour les soins de vous.